Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas donc, et je suis en charge de Scarpa sur la France et je vous propose de vous présenter aujourd'hui la nouveauté de l'hiver 15-16, la Freedom RS, donc toute dernière née de la gamme Freeride de chez Scarpa. La Freedom RS donc, elle vient se placer en complément de la Freedom et Freedom SL qu'on a sorti l'an dernier avec un plus pour la RS au niveau de la skiabilité et de la rigidité. Voilà, c'est une chaussure qu'on a voulu faire. Qu'on a voulu encore axer un peu plus descente, un peu plus freeride. Donc on a retravaillé le bas de coque avec un P-Bax nouvelle génération qui est un tout petit peu plus rigide que l'ancien, avec un peu moins d'élasticité dans le plastique. Et puis le collier donc en grylamide. Donc le grylamide étant une matière très rigide pour une épaisseur moindre. Voilà, très intéressante, à la fois pour gagner du poids et pour gagner en rigidité. On a fait évoluer aussi la bouclerie, donc une bouclerie là aussi allégée et qu'on a voulu un petit peu plus pratique aussi à manipuler, même avec les gants. Voilà, donc très très facile à prendre avec ou sans gants. On a développé aussi un double scratch, double velcro, voilà, qui fait 5 cm de haut. Donc assez imposant, qui vient vraiment créer quasiment l'effet d'une cinquième boucle au-dessus et vient verrouiller le collier complètement. Donc pourquoi double scratch? Tout simplement parce que ce velcro sur lequel vous avez un trou intégré pour pouvoir le manipuler plus facilement avec les gants est monté donc sur un double strap. Le premier strap va être un strap qu'on va dire rigide, d'accord, sans élasticité, et le second est monté sur élastique. Voilà. Suivant si vous voulez un appui plus progressif ou si vous cherchez un point d'appui assez rapidement dur et rigide. Voilà, donc ça c'est selon vos préférences. Vous pouvez skier dans cette position-là, vous pouvez skier avec les deux enclenchés, d'accord? Voilà, ou sélectionner le second. Voilà, aucun souci, c'est vous qui choisissez quel type de réglage vous souhaitez. Voilà. Un petit mot sur le système marche-ski, donc avec trois positions, trois inclinaisons différentes, d'accord? Donc 17, 19 et 21 degrés, voilà, qui permettent donc d'obtenir une skiabilité vraiment personnalisée et une skiabilité optimale. C'est une chaussure qui est assez rigide, si on devait lui donner un flex, ce serait autour de 130. Et une chaussure encore une fois qui est très réactive au pied, ça c'est très très agréable quand on a besoin de réactivité et de précision. Un petit mot sur la construction de la semelle, donc on est sur une semelle montagne, d'accord, à Vibram avec un gros crantage et donc sur lesquels viennent se positionner les inserts low-tech, donc les quick step sur l'avant et sur l'arrière. Un deuxième jeu de semelle pour les fixations alpines est disponible, voilà, en supplément pour ceux qui le souhaitent. Et donc la semelle est montée sur une plaque carbone core, donc une plaque toute carbone qui reprend le bas du bas de coque pour amener de la rigidité sur le bas de coque et éviter l'effet torsion, notamment sur des grandes pointures qu'on peut avoir de temps en temps sur les systèmes low-tech. Voilà, donc une chaussure vraiment typée freeride, gros skieur, gros potentiel et voilà, c'est une superbe pompe avec sur laquelle il va falloir skier fort.